Si vous voulez me contacter, vous attendez en journée. Mes secrétaires vont répondre. Et puis mon numéro WhatsApp est dans la bio. Vous cliquez sur le lien. Beaucoup. Merci Claude. Ça doit devenir une habitude pour vous. Ok? Nous sommes le premier et ça doit devenir une habitude dans votre vie. Je tombe sur ma vidéo. Oups. Peu importe l'heure à laquelle tu vas regarder ceci. Tu jeûnes. À reprendre votre vie par vous-même. Et pour votre avancement, c'est que vous devez comprendre que vous êtes le seul créateur de votre vie. C'est à cause de toi. Si les choses ne marchent pas dans ta vie, même si on s'est joué de toi dans le passé, même si on t'a envoûté, même si on a travaillé pour te guider, pour te contrôler, ce n'est que par ta dédication que tu vas ouvrir tes portes. Et votre problème, c'est que vous abandonnez trop vite. Vous rendez la tâche trop facile pour vous bloquer. Dédiée, une vie consacrée, une vie obéissante. Elle va mentir. Voler. Tu vas décider. Peu importe. Peu importe dans quoi tu te retrouves. Garde tes principes. Deuxième chose. Comme si tu prenais une épée, une hache. Une hache, je dirais. Et tu cognes sans cesse un arbre. Éventuellement, arriver à couper la chose ou l'arbre. Parce que vous abandonnez trop vite. Va dans tel pays t'installer. Même un des signes pour savoir que tu es là où Dieu veut que tu sois. D'arriver. Jour rose. Ce que tu désires. Oui, je veux prospérer. Je veux réussir. Tu n'as même pas une idée de ce que tu veux.
astuce qu'on vous donne en ligne aujourd'hui et que moi-même je donne, avant toute chose, assois-toi, écris ce que tu désires. Plein de ce que je veux ça, je veux ça. Écris sur un papier. C'est Dieu. Demandez à l'univers et les jours comme les premiers du mois, premier, deuxième et troisième jour, ce sont des jours puissants. Un nouveau mois. Une fois que tu as écrit ce que tu désires, troisième chose, tu jeûnes. Si tu as une maladie particulière, ne jeûne pas. Tu dois comprendre que les problèmes que tu aimes venir poser aux gens sur les TikToks là, aide-moi, aide-moi. Tu écris sur ton papier. Seigneur, j'ai besoin de, si c'est un mari que tu veux, tu écris le jardin que tu veux. Si c'est le boulot que tu veux, tu écris. Trouver. Tu écris. On jeûne. Pendant que tu jeûnes, tu dois faire l'effort pour concentrer tes idées sur ce que tu as demandé. Oh, je veux un bon état d'esprit. Ça, c'est les prières des pauvres. Tu veux un bon état d'esprit parce que tu vas aller demander l'argent aux gens après. Tu n'as pas de maison à toi. Après, tu vas demander l'argent au taxi à quelqu'un. Tu aurais pu écrire, univers, Seigneur Jésus, je veux trouver un boulot pour pouvoir payer mon transport moi-même. Les prières qui n'ont pas de sens. Chaque jour, tu vas te laver au sel et au pipi. Et tes menstrues, tu peux juste te laver avec du sel, pas avec du pipi, mais juste le sel. Tu prends 3 pincées de sel ou bien une cuillère à café de sel. Tu verses dans de l'eau, supposons 1,5 litre d'eau. Tu lis le psaume 35 dessus. Et là, tu dis tes désirs, tes vœux. Tes vœux que tu as écrits là, c'est pour lire avant de te laver. Parle. Seigneur, je me détache. Je détache mes mains, mes pieds. Je déclare que je touche l'argent que je vais utiliser. Et je verrai ce que j'ai fait avec cet argent. Je viens contre tout syndrome de main percée. À ma vie. J'ouvre mes yeux pour avancer. Je reçois la force pour aller chercher le boulot. Les parents, ceux qui sont à la maison, là, vous attendez toujours que vos maris ou vos femmes viennent vous donner à manger. Tu te laves avec le sel sur le... Ou tu t'es décrassé, tu verses ça sur toi. La journée, chaque, pendant 3 jours, tu dois donner quelque chose à quelqu'un qui a moins que toi. Une bonne œuvre. Peut-être à la mosquée, peut-être dans son orphelinat, peut-être... Les églises souvent refusent les dons des gens. Sucre de préférence, biscuits, bonbons. Ou bien les finances, l'argent. Et avant de donner, tu parles. Que ceci, selon Ésaïe 58, la Bible dit dans Ésaïe 58, si tu tends ta main à celui qui n'en a pas, là, ta lumière va pointer. Comme je donne ceci, Seigneur, ouvre mes portes. Que ma lumière pointe.
Celui qui n'abandonne pas la prière, le jeûne, les bonnes œuvres, l'obéissance aux principes divins. Donc, un dernier point, tu vis ta vérité. Vous aimez vivre dans le mensonge. Tu avais un homme, tu ne l'aimes pas, tu as un amant dehors. Tu escroques les gens. Donc, vous arrêtez aussi ça. Et puis, vous ajoutez à ça de la persévérance. Voilà. Parce qu'il vous connaît. Vous voulez qu'on vous aide, mais vous ne voulez pas vous aider vous-même. Que vous dites que la cannelle laisse ici. Quand on prend la cannelle, on souffle. Si tu fais ça et ton cœur est noir, tu vas laisser. Ça ne va pas marcher. Qui sur ce que vous avez demandé les autres mois. Que vous avez demandé qui se sont déjà réalisés. Vous remerciez Dieu pour cela. Beaucoup d'entre vous, vous oubliez la gratitude. On prie pour vous. Tu peux aussi prier pour quelqu'un. Tu peux prier pour quelqu'un. Donne seulement. Tu peux donner à quelqu'un. Vous êtes tout bloqué. Hein? Pensez. Venir vous frustrer juste pour vous énerver et que vous parliez des choses qui ne sont pas bien. Grâce que la paix du Seigneur vous localise ce matin. Votre corps paresse. Ce lit pour aller bosser. Que tu te bouges de ce lit pour aller travailler. Et en travaillant, que l'état de ton esprit soit clair. Parce que ton état d'esprit bloque tes affaires. En ce mois, un mois de saut quantique. En ce mois où nous sommes censés avancer plus qu'avant, plus que jamais. S. Qui vous a dérangé? Je vous en libère. Je détache les chaînes par lesquelles l'ennemi vous a attaché. Je détache les chaînes par lesquelles
par lesquelles on vous a frustré dans le passé. Découragé. Je vois que quelqu'un est avec beaucoup de pensées négatives. En anglais, on dit « You're talking yourself out of something ». Toi-même, tu parles pour te décourager d'une situation. Vous financièrement, que cet argent vous soit restauré par le Seigneur. On dit que le bain de sel se fait le matin, le soir. Tu demandes, ça peut se faire à toute heure de la journée. Avec ta grosse tête. Avec ta grosse tête, quitte ma page. Peut-être te bloque même. Vous embêtez. Pensez que je suis là pour vos questions à la con. On dit matin et soir. Même faire une fois, vous n'avez jamais fait. Voilà ce qui vous bloque. Tu te laves au sel? Non. Tu viens me parler pourquoi? Non, j'attendais le bon moment. Chaque jour. Va te plaindre. Mais ne passe pas à côté de moi pour te plaindre. Parce qu'apparemment, on ne peut pas vous aider. Par vos justifications, je vais vous donner la pénalité le matin à 6 heures. Je vous ai dit, quand vous travaillez pour moi, je ne veux pas. Vous avez des faits. Je veux que le crédit quelque part. Voilà. Si ce, ça va. Ne m'écrivez plus. Ne m'écrivez plus dans ce groupe. Crédit, le crédit. Quel genre d'employé ça? Je vois les personnes que j'ai connues, ça fait 5 ans, 10 ans, au même endroit. Et quand je commençais ma page, je disais, viens, on fait. Tu tombes sur ma page, tu le montres. Tu commences à te laver avec le sel. Il est au même endroit, avec les mêmes problèmes. Mais arrêtez. Jouez, si vous allez voir les gens vont avancer, vous allez tout rester derrière. Continuez. Vous laissez derrière. Tu jeûnes. Ah, tu sais, pour jeûner, j'aime être isolé quelque part. J'aime faire ma part d'être spéciale. Et on est là, on te bloque. Tu vois, tes choses n'avancent pas. Parfois, vous énervez. Ça, mes choses marchent. Mes choses marchent. Je suis tombé sur ta page, ça fait 6 mois. Avant, je n'avais pas de contrat. Moi, j'ai ouvert mon entreprise depuis 4 ans, pas de clients. Maintenant, j'ai décroché 5 contrats, 20 000 euros le mois. Prends de le sel de 50, lave avec tes dépasses.
ne te lave pas. Tu as compris? Reste bloqué. Ne prie pas. Hein? Ne priez pas vous. Hein? Vous avez suivi. Ne priez pas. L'argent aux mêmes gens. Ce sera que toi tu agis. Les gens qui vous bloquent sont actifs. On veut que tu tombes. On lui dit lève-toi à minuit. Fais comme ça, comme ça. Il met son alarme. Il te bloque. 4 jours, il garde. On demande, donne 500 000. Il cotise l'argent. Il vient, il donne. Il dit, bloqué là. Mes vidéos, je te dis, jeûne un jour pour ta propre vie. Ya. Yeah. Sokakuo. Même en joie. Tu n'as pas bougé. Et où? Est-ce que ça t'a laissé quelque part? Papier. Tu as menti pour recevoir l'assistance de l'État. L'argent que l'État te donne, c'est le mensonge. J'ai les dons, j'ai les ceci. Tu ne pourras rien en faire. Parce que tu vis dans le mensonge. Quelqu'un que tu détestes. La haine qu'il y a dans ton cœur là. L'amertume. C'est seulement des rituels qu'on fait. Fait. Cœur. Comment est ton cœur? Cœur est noir. Aller dans la nuit. Au Richard, merci. Tu peux écouter dans le rêve. Tellement ton cœur est saturé. Les papiers. Même la carte d'identité, la personne n'a pas. Problème, les problèmes commencent encore une autre dimension dans sa vie. Même la son. Nettoyez vos cœurs. Eh. Je n'ai jamais vu quelqu'un que dans une histoire, tu es pur. M.
Monsieur Guerre, tu as bien dit. Tu ne connais même pas encore la spiritualité. Tu es vrai. Déjà, la vérité, ce n'est pas... Beaucoup d'entre vous, vous êtes hypocrites. Fais quelque chose. Lui-même, il ne connaît pas que tu... il est pas avec toi. Hein. Tout le monde, sauf à lui. Tu as des problèmes avec lui. Leur vie là depuis ça avance, non? Où est pour toi? Comme ça. Vous voulez seulement qu'on vienne dire que tu vas prospérer. Si on t'a prophétisé depuis 5 ans que tu vas prospérer et tu ne vois pas la prospérité, pose-toi les questions. Pose-toi les questions. Tu dois quand même voir comment ça avance, non? Parce que la prospérité, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent en une fois. Mais c'est que ce que tu étais en juin, voilà juillet, tu vois l'avancement. Et je vous ai toujours dit que voilà le secret pour faire que mes choses avancent toujours. Une personne, ma fille Jocelyne, tu es bénie. En toi, j'ai mis toute ma bénédiction, c'est fini. Tout le reste là, ils sont... Non. Non. Là, vous ne me portez pas dans votre cœur. Et vous me regardez chaque jour. Venez, vous me regardez, vous avez porté vos malchances sur moi. Tu passes ton temps à parler mal de moi aux gens. La femme là, et tu es sur ma page chaque jour, tu me regardes. Honte sur toi. Tu es humain comme ça. Et le truc, c'est qu'il est amnésique. Quand il est méchant, il ne sait pas qu'il est méchant. Méchanceté. Quand tu la rencontres, tout le monde est méchant. Oui, telle personne m'avait fait ça. Telle personne m'avait fait ça. Oui, vraiment, telle personne m'avait fait ça. Ah. Vous pratiquez la sorcellerie noire. Partez avec ça. Tu veux manipuler Dieu, non? Comme si tu donnais. Comme si tu fais un petit salaka. Le salaka que tu fais seulement pour impressionner les gens. Tant que ce que tu donnes là, ce n'est pas fait avec un cœur qui est pur. Peut-être que tu portes, tu manges seul. Mange. Mets dans ton frigo, le lendemain tu manges encore. Quelque part. Le monsieur qui fait ça, il fait les choses là-bas que tu viens faire le salaka. Non, lui, il veut donner qu'à ces gens. Ça m'énerve. Il n'aime pas ça. Tu es arrivé à la fête. On dit non, là, voilà la table de VIP. Voilà la table de VIP là-bas. Que non, ceux-là, c'est à eux qu'on va donner. Non. Quand chez moi, c'est le salaka, même le gardien, même mon gardien, senti, comme je dis souvent là, vous allez me sentir. Souvent, c'est des personnes, vous recevez gratuitement, vous pouvez donner gratuitement aux gens. Pas avoir. C'est ça qui m'énerve même de plus en plus. Tu ne peux pas aller quelque part, tu donnes à quelque chose à quelqu'un que prends, tu achètes, tu vas distribuer au village. C'est pour ça que Dieu ne vous donne pas. C'est pour ça que Dieu ne vous donne pas.
Parce que même pour quelqu'un que tu as pris, Dieu a dit que va donner. Il veut tester pour voir ton cœur. Comprendre le cœur de l'être humain, c'est dur. Comprendre le cœur de l'être humain. Est équitable. Je vous le dis tout le temps. Est juste. Ouais. Ton cœur était pur. Tu as aidé ta tante. Ton cœur était pur. Tes cousins se moquent de toi aujourd'hui. Ton cœur était pur à leur égard. Ne t'en fais pas. Tu connais que tu étais celle qui s'asseyait pour organiser. Pour qu'on déteste quelqu'un. Tu vas rester là où tu es. Et ce n'est même pas parce que j'ai dit. C'est ça. Un fait. Et lui-même, il ne se rend pas compte. Aïe, tcha, 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 tcha. Comme ça, là, elle se rapproche de ton mari. Je les supporte au téléphone la nuit en train de parler. Le pire, c'est quand ton mari lui-même le sait, il ne pense pas ce qu'il a. Donc, il va te demander, mais j'ai fait quoi de mal? Quand un mauvais cœur. Et que lui-même. Non, vraiment. J'étais ici avec sa copine. On parlait à 3 heures en appel vidéo pendant 2 heures de temps. Vous cherchez à vous satisfaire. Votre ego. Vous voulez prouver aux gens que vous êtes et que vous avez. Moi. Aide désintéressée. Aide désintéressée. Les entités avec lesquelles on travaille. Strict. Tu peux venir me mentir, mais tu ne peux pas le mentir. J'ai un couple que j'ai conseillé. La femme a trompé son mari. Et en venant se plaindre, elle ne me mentionne pas qu'elle a trompé son mari. Elle a fait mal à son mari. Bonjour Marcelin. Tout pour lui c'était elle m'a trompé. Son système a bugué sur la tromperie. Il n'a pas avancé. Les entretiens pour essayer de les arranger. Il n'avait pas mentionné. Hein. C'est dans la fin là, quand il était à bout. Il a dit vraiment voilà. Inverse, elle aurait exposé dès le premier jour. Quelqu'un qui est tellement égoïste, qui cherche tellement sa propre satisfaction. Comment tu vas? Chanter en Badjoun. Je pomme, je sens comme si je sens. Puis comme n'y aime, je moque pas. T'avais dit que
Le Seigneur est en train d'arriver. L'enfant de Dieu est en train d'arriver. Le Sauveur. Cœur. Maison. Moi aussi, pour attendre l'enfant de Dieu. Et dans ta vie, tu vois le changement. Écoutez, ceux qui ont la main de Dieu sur eux et ceux qui n'ont pas, ça se voit. Comme même enfin, chaque jour. Il y a même des gens qu'après, je refuse même de travailler sur eux. Tellement l'état de ton cœur n'est pas bon. Pas bon. Toi, c'est comme s'il y a une entité qui t'a attaché même. Pourquoi je te plains tout le temps? Peut-être, au lieu de changer le cœur. Bonjour. Chassel, bonjour. Les gens qui aiment encourager les gens. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu as déjà tes anges pour ça. Et les anges sont des êtres qui fonctionnent avec les instructions. Si tu as passé un accord avec Dieu, Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais consacrer cet enfant, je vais te le consacrer. Un an plus tard, tu accouches. Ah, tu oublies même Dieu. Pourquoi tu as l'enfant? Venir récupérer l'enfant là. Quand il va venir, et que bien sûr tu ne vas pas, puisque tu ne seras même plus à côté de Dieu, tu vas partir en train de vouloir crâner devant les gens, j'ai l'enfant, voyez, voyez. Quand l'ange va se pointer, la récompense dans ta vie là, ce sera énorme. Ce sera dévastateur. Parce que lui, il vient corriger les actes. C'est comme un huissier. Il vient faire un recouvrement. On a Anne, la mère de Samuel. Elle arrive. Et elle dit, Seigneur, si tu me donnes l'enfant, je vais te le rendre. Elle part, elle a l'enfant. Moi, c'est vrai. Elle le laisse là-bas à 5 ans. Environ 5 ans. Je crois qu'elle n'aurait peut-être pas eu d'autres enfants après. Parce qu'après, elle a eu 6 autres enfants. 5, pardon. 5. Et vous ne savez pas que la vie spirituelle, c'est une vie de sacrifice. La vie spirituelle, c'est une vie de sacrifice. Je vais abandonner la boisson. Je vais laisser l'alcool. Je vais laisser les femmes. Ne viens pas t'engager sur ce que tu ne vas pas faire. Tu dois être une personne de parole. C'est pour ça que ta parole n'est pas respectée. Parce que tu ne respectes pas ta parole.
Tu blagues trop avec leurs paroles, trop. Comme personne ne voit plus, tu veux partir. J'ai dit qu'il devait rester ici jusqu'à 18h. Comme personne ne voit plus, tu veux fuir. Yeah. C'est de mettre de l'ordre dans tes choses. Grâce pour être ferme. Parce que quand on te demande d'être ferme et de respecter ta parole, et vice-versa, quand Dieu va te donner une parole, tu sauras qu'il va faire ce qu'il a dit. Je veux que vous voyez un peu le contraste. Parole. Quand Dieu te donne une parole, ton business va marcher. Je protège tes enfants. Tes enfants auront du succès. Tes enfants seront célèbres. Tu es en mesure de, peu importe les circonstances qui secouent, on te voit, tu es posé. Tu comprends que si je tiens ma parole, Dieu est un homme de parole. Dieu est un Dieu de parole, on va dire comme ça. Plein Dieu qui tu m'appâches. Je n'ai pas dit commissariat, rien de lumière. On me rend toujours le mal et je fais quoi? Je danse, n'est-ce pas? La victoire, la réussite de vos enfants, ça part de la foi des parents. Ta propre réussite, ça part de ta propre foi. Et ce qui détruit ta puissance verbale. Dans ta voix, il y a de la puissance dans la foi que tu mets pour recevoir ce que Dieu t'a promis. C'est pas le hasard. Épousé, oui. Il voit, dès qu'il fait 2 mois, il a envie de te tromper. Trompe. Il dit, mais finalement, où est votre parole aujourd'hui?
poids aujourd'hui. C'est comme ça que c'est vous-même qui avez cherché les problèmes dans le mariage là. À chaque fois, on vient te sortir des situations. On prie pour toi, ça s'arrange. Le lendemain, tu fais encore la même chose. Il y a des femmes qui trompent leur mari. Il y a des femmes qui traitent tellement mal leur mari. De parole. Avec ton nom. C'est que non, si c'est la femme là qui a dit ça, c'est bon. Je vais faire, elle va venir me donner. Elle va venir me donner l'argent. Aujourd'hui. Comment délivrer les gens? Oui, je veux te délivrer. Oui, au nom de Jésus, sors de ce corps. Oui. Mais ta propre femme à la maison, tu ne respectes pas la parole que tu donnes. Tu ne prends pas soin de ton mari. Si c'est l'inverse, si vous respectez votre parole, mais l'autre personne en face ne respecte pas, vous n'exagérez pas en demandant la même chose. Parce que c'est qu'il y a aussi des personnes que vous êtes dans un foyer ou bien avec des amis ou avec des employés, on a tout laissé sur vous. L'univers voit. Voix. Je dis bien voix. Et tu travailles tellement. 8 ans plus tard, tu te sépares de la personne. Ce qui t'a fait subir dans le mariage, tu vas créer une entreprise. Tu mets la même énergie dans cette entreprise-là, ça prospère en 2 ans. C'est une façon de compenser l'énergie que tu avais perdue dans ce mariage. Ils ne veulent pas. Je sais pas comment les jeunes font pour être paresseux aujourd'hui. Hey! Tu fais quoi? J'attends qu'on me donne le travail. Je vous guette pour vous renvoyer. Je dis toujours, je ne fonce pas avec ce que vous avez fait dans le passé. Tu sais, j'étais dans une entreprise, je dirigeais, je faisais foutaise, baliverne, connerie. Niveau local. Je laisse 5 employés là-bas de nettoyer l'endroit. Les invités n'arrivaient pas à l'autre aller faire pipi. Je demande à l'une des employées que tu n'as pas nettoyé les toilettes, pourquoi? J'avais déjà trop travaillé. Vraiment, j'étais fatigué. Sur le téléphone. Parce qu'on va donner le jus, ils vont boire, manger. Gâter. Ah, je te dis, ah, ce n'est pas ma part, non. Pourquoi il doit trop entretenir? Oublie. Tu es en train de démettre des énergies qui vont te bloquer. Tu as fait
énergies qui vont te bloquer toi-même. Tu es en train de vivre quelque part. Là, tu vis chez quelqu'un. La maison est sale, tu ne nettoies pas. Son enfant pleure même. Quoi? Ne se dérange pas. Tu es en train de déclencher un karma sur toi. Dans 5 ans, tu es toujours une petite chambre de 20 000. 10 ans plus tard, pendant que tes égos sont déjà avec les grosses voitures. Pourquoi? Parce que ton cœur là, je dis bien ton cœur là, Dieu, fais ça dans ma vie, Toi-même là, tu ne veux pas arranger ton cœur.